Le docteur Kadel Mavungu Biati et Matumeni Sengam Vindou compteront désormais parmi les spécialistes en anatomie pathologique au niveau de la faculté des sciences de la santé de l'université Marion Gabi, mais surtout au sein du CHU de Brazzaville. Dans les trois missions qui nous sont assignées, il y a la mission importante, hein, celle de l'enseignement et de la recherche. Nous avons dans ce pays un grand besoin de spécialistes pour rester dans notre domaine. Je crois qu'en anatomie pathologie, ils ne sont pas nombreux. Il y a donc un gros effort à poursuivre pour qu'ils puissent en avoir, pour qu'on puisse avoir assez de spécialistes. L'un des deux nouveaux anatomistes pathologistes, ayant mené des études sur le cancer du sein au niveau de l'homme, estime que ses travaux sont une plus-value concernant le diagnostic attendu par les cancérologues. La plupart des maladies, notamment les maladies cancéreuses, le diagnostic, il n'est pas toujours aisé. Et donc, pour confirmer le diagnostic, le pathologiste est sollicité puisque c'est lui qui va traiter les prélèvements pour confirmer les hypothèses de cancer après examen au microscope. Donc, l'avantage ici, c'est que en étant un peu plus nombreux, il y a l'offre des services qui augmente, ce qui permettra donc à beaucoup de personnes d'avoir accès à des diagnostics bien et dans des délais raccourcis. Le directeur général du CHU de Brazzaville a ainsi appelé les deux nouveaux spécialistes en anatomie pathologique à jouer leur partition concernant l'offre des soins de qualité attendue par la population congolaise.